C'est pour moi un très grand plaisir d'accueillir le professeur Tokieda, qui est professeur à l'université de Cambridge, qui est un mathématicien spécialiste de mécanique des fluides et de géométrie symplectique, et qui est un personnage très singulier puisqu'il a une activité de vulgarisation mathématique extrêmement intense et avec un point de vue très original. Et je suis sûr qu'il va nous enchanter ce soir. J'allais oublier que le cycle de conférences, la prise de vue et la venue des lycéens est partiellement financé par la région Île-de-France. Et si je ne le disais pas, je me ferais mal voir. J'accueille maintenant le professeur Tokieda. Au milieu du chemin de notre vie, nous tombons de temps en temps sur des nombres qui nous semblent significatifs. Par exemple, reconnaissez-vous ce nombre-ci? 3, 1, 4, 1. Oui, vous avez dit? Oui, il aurait été pire si ce chiffre 4 avait été 7. Ensuite, 2, 9, 9, 7, 9. Ah, très bien, vous l'avez reconnu, vous avez raison, c'est la vitesse de la lumière dans le vide en mètres par seconde. Ça fait presque 7 tours et demi de la Terre chaque seconde, c'est très rapide. Et parfois, nous tombons sur des nombres qui nous semblent significatifs, mais que nous ne reconnaissons pas. Voilà, et ça c'est le numéro de téléphone de la Bibliothèque nationale de France, et c'est très très significatif. Et enfin, qu'est-ce que c'est que ce 0,25? Un quart. Et c'est la valeur qui a été donnée par Poisson lui-même à ce qu'on appelle le poisson, rapport de Poisson, qui est la vedette de cette conférence. Nous allons voir que ce nombre, un quart, 0,25, est entouré de paradoxes. Prenons une feuille de papier. J'aimerais vous faire voir qu'une feuille de papier est un animal intermédiaire entre dimension 2 et dimension 3. J'ai apporté ici d'abord un tour de passe-passe. Vous voulez passer à la manip? Oui. Une feuille de papier où j'ai pratiqué un trou carré et un disque en liège. D'accord? Et je plie ce trou et je peux y passer, oui, il passe très bien, le disque à travers. Je ne triche pas. Enfin, je vais commencer à tricher tout à l'heure, mais pas encore. Et il passe d'un sens et comme dans l'autre. D'accord? Mais lorsque j'ouvre la feuille et compare le trou avec le disque, vous constatez que le disque est plus grand que le trou. Le diamètre dépasse la diagonale du carré. Comment ça se fait? Je n'ai rien déchiré. Ce n'est pas possible. Mais je vais le faire de nouveau. Mais vous allez me dire que, ah non, non, Tokieda est en train de passer sous la feuille comme ça. Non, 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 je ne triche pas encore. Vous voyez que, vu du haut, ça passe vraiment. Et dans l'autre sens, aucun problème. Pourtant, le disque est plus grand que le trou de la feuille. Eh bien, c'est possible, à peine, parce que lorsque j'ai plié la feuille en deux, voici le trou que j'ai créé, et l'ouverture dont je peux profiter pour essayer de faire passer le disque est cette longueur. Eh bien, cette longueur était la diagonale du carré. Mais en prenant cette feuille, maintenant je vais tordre la feuille comme ça, jusqu'à ce que ces deux côtés soient alignés, et là, j'écrase la feuille. Et ici, j'ai créé une ouverture dont la largeur est maintenant la somme des deux côtés, ceci plus ceci, et si vous vous souvenez de Pythagore, j'ai gagné un facteur de racine 2, presque 40%. Et ce qui fait passer ce disque, c'est ce facteur de racine de 2. Alors que le trou semble plus petit, et effectivement, il est plus petit que le disque.
Je vous invite à rentrer chez vous, et puis pas tout de suite, hein, mais rentrer chez vous, et de créer la même chose et de recycler ce numéro pour agrémenter vos soirées mondaines. Et si vous voulez m'envoyer de l'argent après, bon, vous êtes la bienvenue. Très bien. Donc, on va revenir là-dessus. Ce qui était impossible devient possible. Et c'est un trait caractéristique de ce que nous allons voir, c'est que lorsque on commence à plier un objet, il existe, vous savez sans doute, un art ancien au Japon qui s'appelle origami. Ori signifie plier, gami, papier, pliage de papier. Quand on commence à plier les choses, eh bien, on peut monter d'une dimension en quelque sorte. C'est-à-dire qu'une feuille de papier telle qu'elle est, à dimension 2, c'est un objet de dimension 2, mais en faisant de l'origami, on peut profiter de la dimension supérieure ambiante dans laquelle nous vivons. En termes imagés, on peut dire qu'on évolue en dimension 3, mais on essaie de cristalliser les traces de cette évolution en dimension 2. Est-ce que vous reconnaissez ce visage? Il a l'air romantique et un peu triste. Eh bien, vous avez raison, c'est Évariste Galois, un des plus grands mathématiciens, les plus originaux sans doute, de l'histoire des mathématiques. Il est mort à 20 ans. Vous allez tout de suite vous dire, non, Tokieda se trompe, parce que si je retranche l'année de sa mort et l'année de sa naissance, on obtient 21 plutôt que 20. Mais non, il est mort avant son 21e anniversaire. J'ai bien dit, il est mort à 20 ans. Et un des problèmes qui ont été résolus par son œuvre, qui est vaste, qui est très prometteuse, même aujourd'hui, c'est le problème suivant. Vous avez sans doute l'expérience de l'école d'avoir manié une règle et un compas, et de tracer des droites, de tracer des cercles. Et en combinant ces droites et cercles, vous pouvez faire la merveilleuse géométrie d'Euclide. Et un des problèmes qui est standard, c'est de, étant donné un angle, est-ce qu'on peut diviser cet angle en deux parties égales, exactement en deux parties égales, la bisection, et c'est possible avec un compas et une règle. Mais depuis les Grecs, dans l'Antiquité, on se demandait s'il était possible, seulement avec la règle et le compas, de diviser un angle quelconque en trois parties égales. Trois parties égales. Certes, il existe des angles qui sont trisectables, comme on dit, par exemple l'angle droit, facile, mais l'angle, comment dirais-je, plat, 180 degrés, facile. Mais est-ce que tous les angles sont trisectables de cette façon-là? La réponse est non. Par exemple, 60 degrés, un angle de 60 degrés ne peut être trisecté, il se trouve, et c'est, on peut le montrer grâce à Galois. Mais si on se permet la liberté de faire de l'origami, il se trouve que c'est possible. Et je vais vous expliquer comment. C'est tout simple. Pour diviser un angle en deux, vous faites ce que vous faites naturellement, et bien vous rabattez l'angle de sorte que un bord s'aligne avec l'autre bord. Ici, sur le dessin de gauche, il y a deux flèches qui sont les flèches d'alignement. Comment trisecter un angle? Eh bien, vous rabattez cet angle, mais vous revenez ensuite en rabattant une autre fois, et vous vous débrouillez en mettant les mains et en négociant cet angle, de sorte que ces deux flèches rouges, l'arrêt de rebroussement est aligné avec un bord du papier et l'autre arête de rebroussement est aligné avec l'autre arête. J'ai apporté ici un exemple. Je plie comme ça et je reviens et j'ai négocié en mettant des mains et je rabats lorsque l'alignement est parfait et là je plie et je divise cet angle en trois parties égales. Et c'est tout simple. À partir de là, vous avez deviné déjà, je peux en fait diviser n'importe quel angle arbitraire en n parties égales, en général. D'accord ? Revenons à deux. Donc, n sections possibles. Ensuite, est-ce que vous reconnaissez ce visage ? Oui, j'entends quelques chuchotements dans la salle. C'est, bon, il n'est pas si gai non plus, hein. Il a l'air très austère. C'est un autre grand mathématicien qui s'appelle Carl Friedrich Gauss. Il a vécu beaucoup plus longtemps. Et il est au tournant
des mathématiques, de l'histoire des mathématiques et des sciences naturelles en général entre le 18e et le 19e siècle. C'est un peu lui qui a créé, qui a fait démarrer le 19e siècle aux mathématiques. Et un des problèmes qui lui aussi remonte à l'antiquité grecque qui a été résolu par Gauss, par l'œuvre de Gauss, est le suivant. Vous avez aussi fait l'expérience sans doute de construire des polygones réguliers. Par exemple, un triangle équilatéral, c'est un polygone régulier à trois côtés. Triangle équilatéral. Est-ce qu'on peut dessiner un triangle équilatéral, un trigone régulier, pour ainsi dire, avec une règle et un compas? Oui, c'est possible. Vous dessinez une longueur comme ça, en noir, et vous plantez le pivot du compas sur l'extrémité gauche, et vous ouvrez le compas pour faire ce rayon, et vous dessinez cet arc de cercle. Et de même, de l'autre côté, ces deux arcs de cercle se croisent en un point, et bien c'est le sommet qui, en complétant avec la base, forme le triangle équilatéral. Donc c'est possible de dessiner. Est-ce qu'il est possible de dessiner un n-gone, n étant un nombre quelconque, régulier avec une règle et un compas? Eh bien, la réponse est non. Il se trouve que la réponse est un peu plus compliquée, mais aussi charmante, très fascinante. Essentiellement, n doit être de la forme très particulière. 2 puissance n, n est un entier, plus 1, et vous pouvez toujours diviser en 2, donc n'importe quelle puissance 2 peut être un facteur. Si vous insérez plusieurs valeurs de n, vous allez voir qu'on obtient la suite 3, 5, 17, 257 et ainsi de suite. Par exemple, un triangle équilatéral, ça correspond à n est égal à 3, il figure. Un pentagone, ça va aussi. 5 gones, 5 y figure. Un 17 gones, ça va aussi. Et il n'y a pas que ça, en fait. On peut combiner ces nombres d'une façon un peu intelligente. Mais, par exemple, 11 n'y figure pas. C'est-à-dire qu'avec une règle et compas, on ne peut pas créer, on ne peut pas dessiner, c'est possible à démontrer, l'impossibilité, un 11-gone régulier. Mais vous avez commencé à vous en douter. Avec l'origami, tout est possible. Alors, je vais vous montrer comment. Pour commencer, je vais montrer l'exemple, je vais vous montrer comment on construit un pentagone. Bon, ce n'est pas très impressionnant parce que pentagone, on peut le dessiner, mais c'est un peu délicat hein, avec une règle et un compas. Mais je vais vous montrer une méthode extrêmement simple, presque bête, pour créer un pentagone régulier. Vous prenez une bande de papier et vous faites un nœud, comme ça, un nœud tout simple. D'accord? Et je serre le nœud tout en aplatissant. Je serre, et en aplatissant, vous voyez? Et lorsque je finis l'aplatissement, et lorsque le nœud est bien serré, eh bien, j'écrase. Et là, nous voyons un nœud. Et pour bien vous montrer ce qui se passe, je vais jeter ce qui n'est pas nécessaire, comme ça. Faire rentrer. L'autre bout, je vais jeter aussi. Et ce que vous voyez là, c'est bel et bien un pentagone régulier. D'accord? Très bien. J'ai ici apporté, parce que le voyage par l'Eurostar quand même dure plusieurs, 2 heures, un autre exemple, et c'est un 11-gone qui n'est pas constructible selon le théorème de Gauss, avec une règle et un compas, mais qui suit exactement le même principe. Si tous les polygones réguliers sont constructibles avec origami, eh bien, je dois pouvoir construire un triangle équilatéral, un trigone. Mais là, je sèche un tout petit peu, parce que, vous voyez, lorsque j'ai fait un seul nœud, j'ai déjà créé un pentagone, je suis déjà passé à 5. Comment créer 3? Eh bien, il faut que je fasse... Eh bien, pour passer à 11-gone, mais il faut passer le nœud plusieurs fois. Mais je peux compter avec vous, hein, si vous vous en doutez. C'est vrai que vous avez raison de me soupçonner de quelque chose. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On a bien 11. Mais pour créer un trigone, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut songer à un nœud qui a 0 passes. Qu'est-ce que c'est qu'un nœud à 0 passes? Je prends une bande, je plie, je reviens, mais je ne fais pas de nœud.
Et j'écrase lorsque cet alignement sont complets, sont parfaits. Et lorsque j'ouvre ici, à l'intersection, je vois un triangle équilatéral. Donc c'est un nœud à zéro passe. Si on veut revenir à l'écran. Et j'ai paumé la commande. Ah oui, là voilà. Là, en haut, vous avez un trigone, comment fabriquer un trigone. Ensuite, un cinquagone, un pentagone que vous avez vu, et septagone, heptagone, et ainsi de suite. Et de cette façon-là, on peut plier avec origami n'importe quel n-gone, mais pour n impair, 3, 5, 7, 9, et ainsi de suite. Mais une fois que vous avez réussi les nombres impairs, il est toujours facile de bisecter, de diviser chaque angle en deux, et donc on va avoir les nombres pairs aussi. Un carré, il fait exception, mais un carré est facile à plier aussi, donc je vous demande de m'excuser. Très bien. Jusqu'ici, nous avons parlé de la géométrie pure, des mathématiques pures. Mais maintenant, nous allons passer doucement de géométrie à la physique et ensuite, je vous promets, on va commencer à explorer d'autres domaines des sciences, mais toujours avec origami, toujours avec l'idée de froissement jusqu'à l'aéronautique. En fait, il y a beaucoup d'exemples de ce genre, d'origami, mais selon le degré d'organisation qu'on y met plus ou moins exprès, il y a plusieurs synonymes en français. On peut appeler ça origami ou flambage. Attention, flambage ne signifie pas partir en flamme. Hein. Ça veut dire que si vous, par exemple, vous prenez une tige et vous comprimez de double, et à partir d'une certaine pression où la tige ne tient plus, pouf, elle se courbe à l'extérieur de sa ligne d'équilibre. Ça s'appelle flambage, flamber. Ça, c'est un signe. Et ou bien, si c'est complètement aléatoire, on parle de froissement. Et selon que ce soit délibéré ou aléatoire, on a plusieurs mots. Nous allons explorer tous ces phénomènes sous le même titre. En haut à gauche, vous avez la photo d'une feuille de papier, mais fabriquée au Japon. C'est une feuille qui a été froissée, mais à une micro-échelle très très fine, ensuite mouillée et séchée d'une certaine façon, qui, il se trouve, rend cette feuille très très tenace, comme de la toile en fait. De sorte qu'après, on peut en fabriquer un sac, des vêtements, et ainsi de suite, et la feuille est pratiquement indéchirable. Ça, c'est un premier exemple. Et le froissement est très, très minutieux. C'est inférieur à millimètre. En haut à droite, vous avez un charmant animal et les rides sur sa trompe. C'est un exemple de froissement qu'on trouve dans la nature biologique et c'est de l'ordre de centimètres à peut-être un mètre. Mais le froissement ou origami peut se trouver à des échelles gigantesques aussi. Par exemple, prenez cette image de l'Amérique du Sud. Vous connaissez cette chaîne montagne qu'on appelle Andes, Andes. Qu'est-ce que c'est que cette chaîne montagne? Eh bien, c'est le résultat du froissement parce que la plaque océanique du Pacifique est en train de se cogner et pousser contre l'Amérique du Sud. Et qu'est-ce qui se passe lorsque je cogne et je froisse? Eh bien, il y a le soulèvement de la Terre et c'est ça la formation, l'origine des Andes. De même, les Himalayas, c'est le sous-continent indien qui se cogne contre l'Asie. Les Alpes, vos Alpes elles-mêmes, c'est l'Afrique qui essaie de monter vers le nord contre l'Europe et qui froisse cette partie de la Terre. Et ceci est un froissement à l'échelle d'ordre de kilomètres, voire des milliers de kilomètres. À toutes les échelles, par conséquent, on trouve des froissements, des flambages et origami. Est-ce que dans tout cela, on peut faire des mathématiques? Est-ce qu'on peut commencer à faire de la science? Est-ce qu'on peut y décerner des lois qui gouverne tous ces phénomènes et qui explique quelque chose d'intéressant à propos de toutes ces échelles, à toutes ces échelles. Il se trouve que oui, et je voudrais vous faire cadeau d'un théorème que vous pouvez emporter chez vous. Je prends une feuille de papier et je froisse. Et je jette. C'est ça que je fais la plupart du temps quand je fais de la recherche.
Je prends une autre feuille de papier. Je froisse. Et convenons que, après avoir froissé, je peux avoir la table, que j'écrase ce froissement sur une table, comme ça, aplati. Et après, j'ouvre. Et nous avons ici quelque chose qui a l'air d'être du papier froissé, pour la bonne raison que c'est du papier froissé. Mais qu'est-ce que c'est que nous voyons ici? C'est une question un peu trop philosophique, Joe. Donc, je précise. Si quelqu'un vous lance le défi de dessiner une feuille froissée, est-ce que vous en serez capable? Eh bien, vous allez constater que dessiner du papier froissé, c'est très, très difficile. J'ai remarqué que même Leonardo da Vinci ne sait pas tout à fait dessiner du papier froissé. C'est vraiment difficile parce que quand on essaie de dessiner du papier froissé, on a tendance à créer cette espèce de réseau, vous savez, des lignes et des points qui s'entrecroisent de façon à peu près aléatoire. Mais si vous faites ça au hasard, ça ne ressemble pas du tout à du papier froissé. Ça ressemble à un réseau un peu au hasard. C'est que parmi tous les réseaux aléatoires qu'on peut dessiner sur une feuille de papier, les mathématiciens parleraient des graphes plongés, parmi tous ces réseaux aléatoires, ceux qui proviennent du papier froissé sont très rares et en fait ont des propriétés magiques que nous reconnaissons intuitivement parce que nous avons vécu dans ce monde et nous reconnaissons du papier froissé, mais nous n'arrivons pas encore à expliciter. Nous ne savons pas ce que c'est, mais nous savons reconnaître lorsque nous en voyons un exemple. Il faut commencer à faire de la science. Alors, qu'est-ce que c'est que ces propriétés magiques qui font du papier, d'un réseau aléatoire le résultat du papier froissé? Je vais vous montrer un exemple de théorème qu'on peut obtenir dans ce sens-là. D'abord, je vous prie de croire à un énoncé, parce que c'est facile en fait à vérifier, mais un peu barbant. Donc, je vous prie de l'accepter. Ici, j'ai fait un lion, et lorsque je déplie ce lion, voici le schéma que j'obtiens sur une feuille carrée. Et là, vous avez des plis en bleu, vous avez des plis en rouge, c'est des plis en arête ou en vallée. Et vous voyez qu'en chaque point, en chaque sommet où les lignes se rencontrent, j'ai marqué le nombre de lignes qui entrent dans chaque point. Il y a par exemple en bas à droite des points où 4 lignes se rencontrent. Parfois c'est 8 lignes au milieu. Et à gauche, vous avez un endroit où il y a 6 lignes qui se rencontrent. Mais c'est toujours un nombre pair. Et je vous prie d'accepter, et je vous assure que c'est facile, ce n'est pas du tout profond à démontrer, que c'est toujours un nombre paires qui se rencontrent en chaque point. D'accord? Donc, l'exemple le plus simple, c'est un peu ce que je montre en bas. Vous avez 4 secteurs créés au hasard et les angles qui ont été créés, on va les appeler alpha, beta, gamma, delta. Tout bien. Si je plie au hasard, par exemple, j'obtiens ceci, et voilà, j'ai 4 angles, 1, 2, 3, 4. Il y a, bien sûr, une manière dont tout le monde se sert tous les jours, c'est ce que les origamistes, si ce mot existe en français, appellent le pliage carré, c'est-à-dire le pli carré, c'est comme ça, 90 degrés en 4 coins. D'accord? Mais examinons le cas général où il y a 4 secteurs. C'est le cas général et le plus simple. Et on va nommer ces angles. Alors, attention, on va les nommer alpha, bêta, gamma, delta. Est-ce que vous les voyez la tête en haut? Ah, mais c'est très bien. Mais vous savez, il faut que la caméra projette de bonne façon. Donc, j'ai dû écrire la tête en bas. Hein. Il faut, vous allez apprécier quand même. Bon, alpha, bêta, gamma, delta. Alors, est-ce qu'il y a des propriétés de ces angles? Eh bien, oui, si ce pliage provient du froissement du papier. D'abord, la somme de alpha, beta, gamma, delta, alpha plus beta plus gamma, delta, gamma plus delta, c'est combien? 360 degrés. Bon, ça c'est une condition, mais pas du tout intéressante. Donc, il faut faire autre chose. Il se trouve que, outre cette condition triviale, il y a une autre condition qui doit être satisfaite, c'est que alpha plus beta, les angles qui sont opposés l'un et l'autre, et bêta plus delta, les deux autres angles, doivent avoir exactement la même somme. C'est-à-dire que alpha plus
bêta, pardon, gamma doit être égal à bêta plus delta. D'accord. Ça, ça doit être satisfait. En particulier, si vous avez une configuration comme ça, vous avez quatre droites, 1, 2, 3, 4, qui se rencontrent en un point, mais cette configuration n'est pas possible à créer avec de l'origami, avec du froissement de papier, parce que cet angle, plus cet angle est beaucoup trop grand, comparé à cet angle plus cet angle. D'accord ? Donc, alpha plus gamma doit être égal à bêta plus delta. Et je vais vous donner une démonstration. En revenant, comment ce pli a été créé ? C'était comme ça. Vu de ce côté, cet angle est alpha. Vous êtes d'accord ? Mais ça veut dire que vu de l'autre côté, cet angle est aussi alpha. Mais alpha est égal à, alors qu'est-ce qu'il y a ? Il y a bêta plus delta, mais oups, on a compté gamma trop, donc moins gamma. Donc alpha est égal à bêta plus delta moins gamma. Fin de démonstration. Vous avez suivi ? Non, moi non, donc je vais répéter. Alors, vu de ce côté, cet angle est alpha. Hein? Et si on retourne, mais vu de l'autre côté, cet angle est aussi alpha. Mais alpha, c'est la superposition de bêta et de delta, mais on a compté de trop gamma. Donc c'est bêta plus delta moins gamma, ça fait alpha. Et ça veut dire que alpha plus gamma est égal à bêta plus delta. Très bien. On va passer. Ainsi, outre cette condition triviale, si on arrive à créer une configuration avec du froissement, avec de l'origami, il se trouve qu'il y a une très belle condition, c'est-à-dire alpha plus gamma est égal à bêta plus delta, et comme j'ai fait remarquer, la configuration qui est montrée en bleu est irréalisable physiquement avec du papier froissé. En général, si vous avez un nombre pair, disons 10 angles, 86 angles, et ainsi de suite, des angles alpha 1, alpha 2, jusqu'à alpha 2n, eh bien, quelle est la condition, comme on dit, nécessaire et suffisante pour que ce dessin, cette configuration soit réalisable avec de l'origami? Eh bien, la classification complète, c'est que la somme doit être 360 degrés, comme d'habitude, mais que ce qu'on appelle la somme alternée, ça c'est intéressant, c'est alpha 1 moins alpha 2 plus alpha 3 moins alpha 4 plus alpha 5 moins alpha 6, on alterne plus, moins, plus, moins, plus, moins, doit être exactement zéro. Regardez l'exemple que nous avons expérimenté, avec lequel nous avons expérimenté. Alpha plus gamma est égal à bêta plus delta. Nous pouvons réécrire cela de cette façon-là, en somme alternée. Alpha moins bêta plus gamma moins delta est égal à zéro. En général, c'est la somme alternée qui devient zéro. Et cette somme alternée, au lieu de la somme toute bête, plus, 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 non, non, elle n'est pas très intéressante. Par contre, la somme alternée, plus, moins, plus, moins, plus, moins, est très intéressante et en fait est à la base du mystère qu'on appelle la topologie algébrique, un des domaines très actifs des mathématiques contemporaines. Toujours est-il que cette somme doit être zéro. Et ça, ça caractérise complètement le froissement du papier en un point, autour de chaque sommet. Ça veut dire que si vous me donnez un nombre pair, mais d'angles quelconques, de nombres quelconques qui sont positifs, et dont la somme est 360 degrés, et qui, dans un certain ordre, vous donne une somme alternée zéro, eh bien, je peux toujours les réaliser en pliant une feuille de papier. D'accord ? Alors, on va faire une petite pause de 30 secondes pendant que je décide ce que je vais dire pendant la deuxième moitié de l'exposé. Très bien. Bien. Maintenant, nous allons passer à la deuxième moitié. Et est-ce que vous reconnaissez ce personnage ? Il a l'air beaucoup plus heureux que les deux précédents, hein, quand même. Vous le connaissez ? Si vous étudiez les mathématiques et les sciences naturelles, vous allez rencontrer son nom un peu partout. Et oui, c'est Monsieur Poisson. Et ici, pour progresser un peu, je vais essayer de vous apprendre, vous faire la moitié du cours avancé de la théorie dite de l'élasticité en 30 secondes. D'accord ? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est la notion du rapport de Poisson. Qu'est-ce que c'est que le rapport de Poisson ? Imaginez
un bloc comme ça, une espèce d'éponge. Et imaginez que je comprime ce bloc dans un sens. Eh bien, vous vous attendez à ce que le bloc se gonfle dans le sens transverse, dans le sens perpendiculaire. Eh bien, le rapport de combien il s'est enflé contre combien je l'ai comprimé, s'appelle le rapport de Poisson. Plus précisément, il faut prendre la dérivée, mais c'est le rapport de Poisson. D'accord ? Bon, est-ce que vous avez tous compris, tout compris, le rapport de Poisson ? Combien ça s'enfle dans ce sens, lorsque je le comprime dans ce sens, ou si je tire, vous allez voir que le corps devient plus mince, eh bien, combien ça s'est aminci contre combien je l'ai tiré, ce rapport s'appelle le rapport de Poisson. D'accord ? Bon. Eh bien, dans la littérature scientifique, ce rapport de Poisson est noté par plusieurs symboles. Et il y a une pagaille complète, en fait. Quelqu'un note ça par un sigma, d'autres notent ça par un P, et d'autres encore par un kappa, et ainsi de suite. Il y a une pagaille complète. Et alors, il y a plusieurs années, lorsque je parlais de ceci à ma compagne Lisa, qui est anglaise, elle a inventé une notation qui est vraiment merveilleuse. C'est la seule bonne notation dont vous devrez vous servir à partir de maintenant. D'accord, toujours. Et cette notation, la voici, le symbole pour le rapport de Poisson, bien sûr, c'est ceci. C'est alpha avec un point. Dans 200 ans, j'aimerais que l'histoire des sciences se souvienne de Lisa comme la personne qui a enfin trouvé la bonne notation pour le rapport de Poisson. À partir de maintenant, si vous rencontrez des ingénieurs, des physiciens, des mathématiciens qui vous parlent du rapport de Poisson, vous allez leur demander, alors, quel symbole utilisez-vous pour le rapport de Poisson? Et vous allez leur apprendre quel est le bon symbole. D'accord? Bon, très bien. Alors, quelques exemples du rapport de Poisson. Imaginez d'abord une espèce de losange que je montre ici, ce que j'ai marqué comme cellule unité. Et là, les lignes en verte sont des tiges rigides, d'accord, qui ne se fléchissent pas. Et les points que j'ai marqués en noir sont des articulations autour desquelles les tiges peuvent tourner. D'accord ? Et il est facile de vous convaincre que si je pousse cet objet le long des flèches bleues, si je resserre, eh bien, il va s'ouvrir, il va s'enfler le long des flèches rouges. C'est le comportement au poisson. Et si vous recopiez la même cellule, mais plusieurs fois, vous allez créer ce genre de structure qui est montrée au milieu. Et là, le même comportement, si vous comprimez le long des flèches bleues, eh bien, il va s'enfler le long des flèches rouges. J'ai entendu dire qu'il y a des vêtements à la mode qui profitent de cette, qui tirent parti de cette structure pour bien mouler encore et ainsi de suite. C'est le poisson positif. On peut faire la même chose avec d'autres bases, d'autres cellules. Par exemple, utiliser un hexagone. Là aussi, les points noirs sont des articulations et les vertes sont des tiges. Et si vous recopiez, vous avez une structure comme ça. Et là, encore, si vous tirez dans un sens, eh bien, ça va s'amincir dans l'autre sens. Et si vous comprimez dans un sens, eh bien, ça va se gonfler dans l'autre sens. Et c'est encore poisson positif. Vous êtes d'accord? Très bien. Donc, il y a beaucoup d'exemples qu'on peut calculer explicitement. Et tout cela a été commencé, oui, à vrai dire, la notion du rapport de Poisson a été un peu dans l'atmosphère de l'époque, mais tout cela a été explicitement introduit par M. Poisson lui-même dans un mémoire absolument monumental de 214 pages. Sachez que de nos jours, un article de physique théorique typique, peut-être qu'on prend 5, 6 pages. Donc c'est énorme. Et dans cet article, il fait des choses, mais l'article de mémoire est entouré de beaucoup de paradoxes, comme j'ai fait allusion au début de la conférence. D'abord, c'est un article qui est très très long, qui est monumental, qui est magnifique, mais personne ne s'en souvient aujourd'hui. Je n'ai jamais rencontré un autre scientifique qui ait lu, qui ait même vu cet article. Pourtant, c'était le début de toute une histoire, tout un développement de la théorie de l'élasticité et qui a ouvert la porte à beaucoup d'autres développements en physique dite mathématique. Un autre paradoxe, dans cet article, Poisson décide de prendre une approche nouvelle. Jusque-là, les sciences mathématiques se faisaient par des approches, disons, empiriques, c'est-à-dire qu'on observe plus ou moins bien le comportement macroscopique des objets. Et on établit des équations, on établit un modèle pour décrire ce comportement lui-même, mais sans se demander
ce qui se passait au niveau atomique, au niveau moléculaire. De nos jours, un physicien vous dira qu'il comprend ce qui se passe physiquement si seulement il comprend ce qui se passe au niveau moléculaire, en termes des molécules. Eh bien, Poisson a été l'un des premiers à dire explicitement, déclarer que moi, je vais traiter ce problème de l'élasticité des vibrations du point de vue moléculaire. J'ai encadré deux citations au début de son mémoire. En gros, elles disent « je rénove en faisant un traitement, en donnant maintenant un traitement correct, ce que les autres n'ont pas fait jusqu'à maintenant. » Et je vais décrire la vraie physique qui se passe. Et à partir de la vraie physique, je vais déduire les lois observables. Et la vraie physique, c'est celle des molécules. Et il fait des calculs très rigoureux, très soignés, très durs, certes, hein, pendant 80 pages, et il aboutit à un résultat erroné. Il dit que le rapport de Poisson qu'il vient d'introduire doit être toujours égal à un quart, 0,25. Et nous allons voir qu'il n'en est rien. Le rapport de Poisson peut être beaucoup d'autres choses. Ici, en bas de la page, il écrit une équation et il y a un coefficient moins un quart. Et c'est ça, c'est très paradoxal. Il vient d'introduire une notion absolument d'importance capitale pour la théorie de l'élasticité. Et la première fois qu'il calcule ce nombre, eh bien, c'est un résultat faux. Pourtant, il avait pris une bonne approche. En vérité, le rapport de Poisson peut prendre beaucoup, beaucoup de valeur selon la matière, selon la structure. Mais c'est vrai qu'il y a une chose qui paraît très intuitive, c'est que le rapport de Poisson doit être toujours positif. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? C'est que si je comprime, ça va s'enfler, et si je tire, ça va s'amincir. Dans ce cas, on compte le nombre comme positif. Et c'est vraiment marquant. Mais par contre, il y a des structures dont le rapport de Poisson est presque zéro, semble être zéro. Par exemple, pensez à un ressort. Si vous comprimez un ressort, eh bien, on n'a pas l'impression que le ressort devient plus gros. Mais si, un tout petit peu quand même, il y a un petit enflement, donc le rapport de Poisson est positif, mais presque zéro, c'est vrai. Mais il est quand même positif. D'accord ? Et cette croyance traditionnelle comme quoi le rapport de Poisson est toujours positif est représentée par l'excellent traité de physique théorique. C'est un peu la bible des physiciens théoriciens du monde entier. Si vous connaissez un physicien théoricien, si vous avez la chance ou la malchance de connaître un physicien théoricien, allez rendre visite à son bureau. Vous allez voir plusieurs tomes de ce cours de physique théorique de Landau et Lifshitz, deux savants soviétiques, autrefois russes, très très éminents, qui ont vraiment tout expliqué dans la physique, comment dirais-je, bien orthodoxe d'aujourd'hui et dont tout le monde se sert encore. Et là, un des volumes est consacré à la théorie de l'élasticité, et c'est le volume 6. Et cette page contient une discussion du rapport de Poisson. Ici, vous voyez le Poisson. Alors, en bas de la page, j'ai une note que j'ai encadrée, et elle dit, je vais la lire. En fait, le coefficient de Poisson ne varie qu'entre 0 et 1,5. 0 et 1,5, on ne connaît pas de corps dans la nature pour lesquels sigma, c'est le rapport de Poisson, il note comme ça, est négatif. Sigma, quel est le bon symbole pour le rapport de Poisson? Alpha avec un point, oui, très bien, vous avez tout compris. C'est-à-dire qu'il enflerait tout en s'allongeant. D'accord? Même Landau-Lifshitz déclare que le rapport de Poisson doit être positif. Lorsque j'ai entendu tout cela, il y a déjà 7 ou 8 ans, eh bien, j'ai été très provoqué, alors je me suis mis à inventer des structures aux poissons négatifs. Et ce n'était pas si difficile. Prenez un hexagone de nouveau, mais un hexagone maintenant cabossé comme ça. Hein? Toujours, les verts sont des tiges et les points noirs sont des articulations. Et vous savez ce qui arrive lorsque vous poussez le long des flèches bleues? Eh bien, c'est intuitif, n'est-ce pas? Que ça va rentrer de nouveau, ça va s'amincir le long des flèches rouges. Et si vous copiez cette structure, cette cellule, de nombreuses fois, vous pouvez créer une structure au milieu, et cette structure se comporte avec le poisson négatif. C'est-à-dire que si vous comprimez, eh bien, dans l'autre sens, il y a compression aussi. Si vous tirez dans l'autre sens, ça s'enfle aussi. On peut avoir d'autres idées.
Ici, j'ai montré un bloc de carrés qui sont entassés l'un contre l'autre, mais ces carrés sont connectés entre eux par des activations très intéressantes. Ici, j'ai dessiné le début de l'ouverture de ces carrés. Vous voyez les articulations. Les carrés voisins tournent tantôt à gauche, tantôt à droite, tantôt à gauche, tantôt à droite, de façon alternée, et tout en tournant de façon alternée, toute la structure s'ouvre, et vous voyez que c'est une ouverture dans tous les sens, c'est-à-dire que le comportement au poisson négatif. Vous pouvez faire la même chose avec des triangles. Là, j'ai dessiné une forme demi-ouverte, là aussi, en alternant de sens de rotation, vous pouvez ouvrir et la structure dont l'ensemble se comporte avec le poisson négatif. Et il existe aussi des versions tridimensionnelles que vous pouvez amuser à inventer. Alors, maintenant que nous savons qu'il existe des structures au coefficient au rapport de poisson négatif, est-ce qu'on peut mettre des limites? C'est-à-dire, on peut dire que le poisson quand même doit être au plus quelque chose et au moins quelque chose. Eh bien, oui. La limite supérieure est relativement facile à trouver. Le rapport de poisson doit être au plus, ne peut dépasser 1,5, il se trouve. Et 1,5, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la limite incompressible, à ne pas confondre avec incompréhensible. Et je vais vous expliquer pourquoi 1,5. Imaginez que vous avez un bloc, et que ce bloc incompressible, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bloc ne veut pas changer son volume. Vous gardez son volume toujours. Ne peut pas se rétrécir en volume ni se gonfler en volume. Alors, si vous comprimez, vous essayez de comprimer ce volume le long d'une direction, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, imaginez que je l'ai comprimé de 1. Il reste deux autres directions dans lesquelles il peut s'échapper, et dans chaque direction, il faut qu'il se gonfle de 1,5 pour que la somme soit 0, pour compenser la compression de 1. Et c'est pour cette raison que bloc incompressible, encore incompressible, doit avoir le coefficient de rapport au poisson 1,5 et on ne peut pas aller au-delà. Quant à la limite inférieure, est-ce qu'on peut dire que le poisson est au moins quelque chose? Il se trouve que oui, le poisson peut être négatif, comme nous venons de découvrir, mais il ne peut pas être inférieur à moins 1. Et c'est la limite qu'on peut nommer incisaillable. Qu'est-ce que c'est que le cisaillement? Je vais vous montrer le cisaillement. Là, vous avez un réseau de blocs. Et cisaillement, imaginez, disons, un tas de cartes que vous glissez comme ça, ou regardez plutôt que vous faites comme ça. Ça, c'est le cisaillement. D'accord? Mais pour produire des cisaillements, on peut le faire en deux étapes. D'abord, pour cisailler dans ce sens, on peut faire ceci dans ce sens, et après avoir fait ceci, on peut tourner toute la structure comme ça, et on peut ramener à la position voulue. Vous avez vu? Au lieu de faire ceci, on peut faire ceci et tourner. Hein? C'est complètement équivalent. Pour produire le cisaillement que je montre en bas à gauche, on peut faire le même effet en faisant la déformation du milieu suivie d'une petite rotation. Or, lorsque le rapport de poisson est négatif, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, l'étape de la déformation du milieu devient très difficile parce que lorsque vous voulez tirer le long des flèches rouges, on aimerait pour le cisaillement que ça se comprime le long des bleus. Mais non, si c'est poisson négatif, il va se gonfler aussi le long des bleus. Donc il résiste le cisaillement, et le cisaillement devient de plus en plus impossible, et à la limite moins 1, le cisaillement devient complètement impossible, c'est la limite incisaillable. D'accord? Il existe bien d'autres exemples concrets de rapport de poisson négatif, et je vais vous montrer quelques-uns. Voici un jouet qui a été inventé par quelqu'un de très inventif, puisqu'il l'a inventé, américain, Hobbaman, et vous l'avez sans doute vu. C'est une sphère qui se gonfle dans tous les sens, et vous voyez que c'est le comportement au poisson négatif. Vous reconnaissez, parce que je tire dans un sens et ça se gonfle dans tous les sens.
Ça, c'est le poisson négatif d'abord. Un autre exemple que j'aimerais montrer. Une boule que j'apporte. Vous voulez garder le même écran, s'il vous plaît? Non? Bon, d'accord. Une boule que j'ai apportée, de couleur blanche. Vous n'aimez pas la couleur blanche? Bon, je vais changer la couleur alors. Je lance comme ça dans l'air, et après, c'est changé en noir. Ah non, vous n'aimez pas le noir? Bon, d'accord, je lance de nouveau, et c'est blanc maintenant. Ah bon, madame, vous n'aimez pas le blanc? Alors, je lance, c'est noir. Ça change de couleur. Qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsque je lance cette boule, regardez, quand je tire, la structure s'ouvre comme ça, sous la force centrifuge, et à partir de là, pouf, se rabat sur l'autre face, et ça devient, ça change. Et c'est le comportement encore au rapport de poisson négatif. C'est-à-dire que lorsque je commence à l'ouvrir, je force l'ouverture dans un sens, eh bien, elle s'ouvre dans tous les autres sens. C'est aussi poisson négatif. Enfin, une petite manip pour montrer encore un autre exemple que je montre en bas de la page. C'est une casse-tête que j'ai achetée et vous reconnaissez peut-être. Ce sont des blocs, 6 blocs qui sont entrecroisés, entrecroisés, mais je m'en sers pour un autre objectif. Lorsque je tire ces 2 blocs, regardez ce qui se passe. Les blocs se glissant les uns contre les autres, vous voyez, ils s'élargissent dans tous les sens. Vous, regardez, vous voyez, hein, ces 2 blocs s'éloignent, ce bloc se lève et le bloc d'en bas, en fait, essaie de descendre. Voilà. Lorsque je tire dans un sens, grâce au glissement, c'est un autre modèle du comportement au poisson négatif. Tous les autres répondent, mais non pas en se comprimant, mais en s'élargissant. Il y a ainsi beaucoup d'exemples du poisson négatif. Nous allons commencer à nous intéresser à des applications fascinantes du rapport de poisson négatif. Ici, je montre un vieux monsieur maintenant, un ingénieur japonais, mais aussi amateur d'origami comme moi, qui s'appelle Miura. À vrai dire, la vraie orthographe de son nom, je l'ai écrite en vertical là-bas, hein, Miura Kuri. D'accord. Et Miura Ori, vous vous rappelez que Ori signifie pli, pliage, donc pliage de Miura. Et ainsi que je montre. Et ceci a beaucoup d'applications, je vais vous expliquer doucement. Vous savez combien il est vraiment ennuyeux de replier une carte routière? Bon, pour consulter, ça va, vous ouvrez et vous trouvez où vous voulez aller, mais pour replier, alors, elle commence à se plier au mauvais endroit, mais dans le mauvais sens, et vous n'arrivez pas à refermer, donc vous ouvrez de nouveau, et vous commencez à faire des trous ici et là, bon, vous n'en pouvez plus, et votre voiture rentre dans un arbre parce que vous ne conduisez plus. C'est vraiment embêtant. Mais pourquoi? Parce que le pli qu'on utilise normalement pour une carte routière a beaucoup trop de degrés de liberté. Ça peut se plier dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de sens. Or, le pliage de Miura, Miura Ori, a cette particularité de n'avoir pas du tout de degré de liberté. Je vais vous montrer. Ici, j'ai plié Miura. Là, j'ouvre. Et c'est plié de cette façon-là. Vous regardez, il y a une espèce de zigzag un peu mystérieux. Et lorsque je veux refermer, je n'ai qu'à pousser n'importe quel deux bouts et ça se plie complètement, s'escamote complètement automatiquement. Parce qu'il n'y a pas du tout de degré de liberté. Si je fixe 2 points, eh bien, toute la configuration est fixée. Et ça se comporte de façon au poisson négatif. Vous voyez, ça se plie dans tous les sens. Alors, ici, j'ai montré donc une carte au Miura Ori, est très facile à plier, et au Japon, on peut en acheter ça. Ça, c'est une carte, je pense, du nord du Japon, et vous voyez l'étape intermédiaire et l'ouverture. Et pour ouvrir ces chemins, il suffit d'aller d'en bas à droite vers le haut à gauche. Il y a d'autres applications amusantes de Miura Ori. Par exemple, au Japon, on peut acheter des canettes de boissons pétillantes, par exemple de la bière. Vous savez, à l'intérieur d'une telle canette, le gaz qui est à l'intérieur tient en état de haute pression l'intérieur de la canette. Mais lorsque vous ouvrez la boîte, qu'est-ce qui se passe? Psh!
Vous entendez, c'est le gaz qui s'échappe. Et du coup, la pression tombe. Eh bien, ils ont réussi à faire une canette avec de la matière, de telle sorte que lorsque la pression tombe, il y a un flambage, pouf, et la canette s'écroule, en quelque sorte, devient plus petite, et apparaît autour de sa ceinture un pliage de Miura. Donc c'est une canette qui, à l'ouverture, devient plus petite. C'est commode. Et pour jeter, bien sûr, il suffit de pousser un tout petit peu et elle s'écrase toute seule et vous recyclez. D'accord ? Un autre exemple, mais cette fois-ci du monde des biologistes, du monde biologique. Voici un pan, mais avec origami, hein, mais le vrai ressemble beaucoup à celui-ci, avec des ailes, mais qui sont escamotables pour impressionner sa future femme, son futur mari, je pense que c'est surtout sa future femme, un pan essaie d'ouvrir et faire impression. Hein. Je ne sais pas s'il réussit toujours, mais c'est grâce à des ailes escamotables. Et si vous regardez bien, dans le monde biologique, vous trouverez beaucoup de membranes, surtout des structures escamotables, mais qui profitent, en fait, il fallait y penser, rétrospectivement, du pli de origami de Miura Ori. Et là aussi, le monde biologique est plein du rapport de poisson négatif. Bien. J'aimerais montrer un autre exemple. Qui a été plié au cours d'un long trajet. À partir d'une seule feuille de papier à peu près grande comme ça. Et dans un coin, vous avez une tache de café là, mais ça ne vous regarde pas. Alors, lorsque je tire, elle fait ça. Pouf. Je tire comme ça. Et ce qui est très rigolo, c'est que regardez ce qui se passe de ce côté. De l'autre côté, la même chose se passe, mais dans le sens orthogonal, dans le sens perpendiculaire. Dans le langage mathématique, on dit que l'envers et l'endroit sont l'un et l'autre duals de l'un de l'autre. D'accord ? Et c'est étonnant parce que c'est fait à partir d'une feuille de papier qui, a priori, n'est pas du tout élastique. Mais regardez, beaucoup d'élasticité, ça revient. Hein ? Rien qu'en pliant, en faisant de l'origami, j'ai produit l'élasticité effective, la souplesse comme ça. Qui revient, qui en rappelle, comme ça, c'est du papier. Et aussi, si vous observez bien, vous allez sans doute remarquer que lorsque je tire, il y a une espèce de, enfin, un comportement où ce papier se cambre d'un côté comme ça et de l'autre comme ça, hein, dans deux directions perpendiculaires l'une de l'autre. Eh bien, ce comportement s'appelle le comportement hyperbolique en mathématiques, en physique, et il se trouve que l'hyperbolicité est étroitement liée au comportement au rapport de poisson négatif. Voilà une seule feuille de papier qui est pourtant élastique, qui se comporte comme du caoutchouc. Bien. Je vous ai promis une application à l'aérodontique. On voici un exemple. Un des problèmes, des gros problèmes de lancer un satellite, c'est le problème d'un panneau solaire. Il lui faut de l'électricité, et la façon naturelle, c'est d'ouvrir un panneau solaire qui recueille le soleil et qui génère, qui produit de l'électricité. Or, pour mettre le satellite en orbite, il faut quand même ranger ce panneau solaire dans un petit espace dans la fusée. Et une fois que la fusée atteint l'orbite, il faut ouvrir ce panneau solaire au maximum. Mais, comment dirais-je, la façon dont la plupart des panneaux solaires des satellites sont faits traditionnellement comporte beaucoup d'articulations qui ont énormément de degrés de liberté. Alors vous allez deviner ce qui se passe. Lorsque le panneau commence à s'ouvrir, il y a des jonctions qui se coincent et il y a des synchronisations qui pètent. Et ça ne s'ouvre pas, voilà, ça se coince demi-ouvert. Eh bien, panneau non ouvert, pas d'électricité et vous perdez le satellite. Tout ça vient du fait que lorsque on a conçu ce panneau qui s'ouvre, il y avait beaucoup trop de liberté. C'est comme si on produisait une carte routière à l'ancienne mode. Eh bien, Monsieur Miura a participé à la conception d'un nouveau panneau solaire, d'un satellite qui a été lancé avec succès, et il a plié le panneau solaire selon le Miura Ori,
qui n'a qu'un seul degré de liberté, comme vous avez vu lorsque j'ai fermé et rouvert la carte routière, eh bien, il s'ouvre tout seul et il n'a absolument aucun danger. En fait, il n'y a pas de possibilité théorique de coincement. Il s'ouvre tout bêtement parce que c'est comme ça qu'on l'a créé. Voilà. En astronautique, c'est très utile. Puisque nous sommes dans l'espace et puisque nous avons commencé à spéculer, moi, je vais commencer à spéculer absolument n'importe quoi. Donc, permettez-moi. Un exemple peut-être le plus immense qu'on connaisse de quelque chose qui se déploie, c'est l'univers lui-même. Les astronomes ne cessent de nous dire que l'univers est en expansion. Je n'ai jamais compris pourquoi on n'arrive jamais à se garer, hein, quand même. Mais quand même, l'univers est en expansion, il se trouve. Et il a l'air de se déployer de lui-même. Eh bien, je me demande, c'est une spéculation, si l'univers lui-même, globalement, n'a pas le rapport de Poisson négatif. Et ce n'est pas si complètement bête que cela. En effet, en cosmologie, il existe beaucoup de modèles de l'univers, mais un des modèles s'appelle le scénario hyperbolique du modèle Friedmann, et vous avez vu tout à l'heure, sur ce pliage élastique, que l'hyperbolicité est quand même étroitement liée au rapport de Poisson négatif. D'accord ? Très bien. Bon, puisque nous sommes arrivés là, j'aimerais terminer sur une conjecture, un problème ouvert. La plupart des problèmes d'ailleurs étaient ouverts, mais un problème vraiment ouvert. Et pour ce faire, j'aimerais revenir à l'origine de notre conférence. On a froissé une feuille de papier. Nous avons vu, sur maints exemples, que le rapport de Poisson pouvait être négatif, contrairement à la croyance traditionnelle qui le voulait toujours positif. C'est vrai, donc, on a trouvé des contre-exemples, beaucoup de contre-exemples, mais soyons plus ambitieux. Imaginons toutes les structures possibles qui ont existé et qui pourraient exister dans l'univers, toutes les structures. Quelle fraction de ces structures possibles possède le Poisson positif et quelle fraction possède le Poisson négatif? Ça semble être une question complètement insensée parce qu'il est impossible d'imaginer, d'énumérer toutes les structures possibles. Mais reformulons la question quand même pour lui donner un sens. Si vous parlez d'une certaine fraction de toutes les possibilités, eh bien autant prendre une structure au hasard, aléatoire, et se demander avec quelle probabilité, si on prend une structure au hasard, cette structure a le Poisson négatif ou positif, du point de vue probabiliste. Et pour mener ce programme bien, il faut connaître un exemple d'une structure aléatoire. Est-ce que vous en connaissez, une structure aléatoire? Moi, j'en connais une. Une feuille froissée. Si on peut donner un sens au mot aléatoire, sûrement, du papier froissé au hasard doit être considéré comme une structure aléatoire. Ça a l'air très aléatoire. C'est vrai, il y avait des théorèmes très jolis qui contraignaient cette structure, comme par exemple cette fameuse somme alternée est égale à zéro, mais à ceci près, c'est un très bon modèle d'une structure aléatoire. Et regardez ce qui se passe lorsque je tire cette structure dans un sens. Elle a le comportement du Poisson négatif. Mais c'est évident, ça ne pouvait être que ça, parce que je l'ai produit ainsi, je l'ai comprimé dans tous les sens. Et il se trouve que lorsque je froisse au hasard, le résultat, cette structure canoniquement aléatoire, pour ainsi dire, a le rapport de Poisson négatif. Alors, je lance cette conjecture complètement folle. On disait, jusqu'à très récemment, que le rapport de Poisson était toujours positif, on le croyait. Maintenant, nous connaissons un tas de structures au Poisson négatif, mais je dirais encore plus. Je pense que la grande majorité des structures dans l'univers ont de rapport de Poisson négatif. C'est le cas majoritaire, je pense. Et c'est que nous n'avons rien vu jusqu'à maintenant. Et le monde est complètement ouvert. Bien. Il faut terminer cet exposé. Et comme nous avons commencé en juin avec le nombre, essayons de terminer en jouant avec d'autres nombres.
Vous savez, un exposé universitaire souvent, mais aussi dans les lycées, je crois, est censé durer à peu près une cinquantaine de minutes. Si vous le dites en secondes, c'est 3000 secondes, 3 fois 10 puissance 3 secondes. Hein. Or, vous savez combien de secondes il y a dans un an? Vous savez cela? Si vous ne le saviez pas encore, je vais vous en faire un cadeau. C'est très utile. Il se trouve qu'un an est presque exactement pi fois 10 puissance 7 secondes. Presque pi, et vous écrivez 1 000000. D'accord? Et si vous en avez envie, faites le calcul, l'erreur est inférieure à 0,4% quand même. C'est vraiment, vraiment précis, en fait. Bien sûr, l'apparition de pi est complètement due au hasard, mais je m'en sers beaucoup de cette conversion lorsque je fais des calculs en astrophysique, par exemple. Donc, vous voyez, un siècle, ça vaut combien? Eh bien, pi est égal à peu près 3. Donc, c'est 3 fois 10 puissance 7 fois 100, c'est-à-dire 3 fois 10 puissance 9 secondes. Un siècle est égal à 3 fois 10 puissance 9 secondes, alors qu'un exposé typique dure 3 fois 10 puissance 3 secondes. D'où je déduis qu'un exposé est un microsiècle, un millionième d'un siècle. Vous le saviez, ça? Permettez-moi de vous adresser un dernier souhait. Mon dernier souhait, c'est que vous retrouviez les yeux d'enfant. Car vous savez, la nature, non seulement la nature des laboratoires, la nature des classes, la nature des livres, la nature des séminaires, la nature des publications spécialisées, mais la nature qui nous entoure, la nature dans laquelle nous vivons, dans laquelle nous mourons, dans laquelle nous aimons, cette nature, vraie nature, hein, que nous avons tous les jours, elle est parsemée de beaucoup de germes des sciences que on aperçoit de temps en temps, avec davantage de limpidité, si on les regarde avec des yeux d'enfant. Il me reste à vous remercier de m'avoir accompagné pendant ce microsiècle. Merci beaucoup.